Steve Groff, il a réussi à faire 124 tonnes de maïs en 2011 avec zéro unité d'azote. Minéral apporté. Sans irrigation, sans travail du sol. Bon. Mais il faut. T'imagines le flux. Tu fais prendre ça avec zéro azote. Si tu arrives à amener le même niveau de fertilité et que tu as un peu d'humidité, tu fais des biomasses phénoménales. On a déjà fait 8, 9, 10 tonnes de biomasse si tu as la fertilité. Et là, tu monteras en biomasse. C'est la bonne nouvelle par rapport à faire tourner. On va peser sur le frein et sur l'accélérateur. Alors, le frein, ça va être la limitation du travail du sol. Et l'accélérateur, bah, ça va être de mettre déjà des couverts végétaux. Parce que quand on va mettre des couverts végétaux, ces sols-là, ils vont réagir immédiatement. Ça va commencer à apporter des sucres, ça va apporter de l'azote et donc tourner votre matière organique. Ça va permettre de digérer l'ensemble de la matière organique. Donc ça, c'est vraiment un super moyen d'appuyer sur l'accélérateur. Et ça marche presque immédiatement. Le deuxième moyen d'accélérer l'affaire, et je remercie d'avoir organisé la journée ici, c'est le maïs. C'est une plante extraordinaire. Parce qu'en fait, dans des sols qui sont très engorgés en paille, eh bien, d'apporter du maïs, bon, on aura déjà beaucoup plus de biomasse. Et en plus, c'est une plante qui va doper l'activité du sol et qui va aider à la minéralisation. Et si on reste 60-40, ça veut dire 40% de la photosynthèse a été relarguée dans le sol, a été utilisée sous le sol. Donc si je prends 15 tonnes, bah, si je mets 60%, ça fait 15 tonnes, j'ai environ 11-12 tonnes de photosynthèse qui a été consacrée au sol. Le dernier apport que tu apporteras dans un système, ce sera la localisation. Un système où les flux seront importants, parce qu'une fois que ta plante est branchée, les flux vont se mettre en branle. Et un maïs, ça reste une plante tropicale, il faut quand même beaucoup de fertilité dessous. Ça adore la fertilité. Et donc là, c'est important de lancer l'affaire. Et la dernière fertilisation qu'on apportera, quand on sera monté comme ça, la sécurité, ce sera la localisation.